Bonjour à tous et à toutes, je suis Luc et bienvenue pour la suite de Message Worth Investigation et Saturn et tout ça. La dernière fois, dans la première partie du milieu de l'enquête, nous avons encore un peu plus examiné le lieu du crime, qui cette fois était une estrade dans le Colisée, où il y avait un concert, et a priori ce serait là que la victime aurait été tuée. Cependant, il y a encore le problème des traces de sang. Est-ce que c'est vraiment l'inspecteur Ballot qui l'a tué, la victime? Mais surtout, le retour de l'enfant de je ne sais plus qui. D'ailleurs, je vais tout de suite regarder dans mon carnet, parce que j'ai complètement oublié. Le retour de Lucien, qui est revenu, qui s'est échappé de ses ravisseurs, et qui nous aurait révélé que l'un d'entre eux est une femme, qu'ils sont deux. Et nous avons aussi retrouvé notre chère amie Flavie Échuette, exactement de notre amie que nous avons déjà vue via Phoenix Wright. Et sur ce, la suite de l'enquête. Et nous avons aussi découvert que Kay possédait un dispositif de reconstitution 3D des scènes de crime qui était magnifique. Oui, je pense. Oh, monsieur Vachalet. Je ne l'ai pas retrouvé, il est revenu tout seul. Mais on va dire que je l'ai retrouvé. Oui, ton petit Lucien. Oui. Ah, ce cher agent Long. Agent Long qui ne va pas plus loin que le bout de son nez, évidemment. Mais allons, allons messieurs. Allons messieurs, calmez-vous. Lucien, pourquoi tu n'arrêtes pas de te promener avec des billets de banque? C'est perturbant. De remettre quoi? Une lettre? Qui se... Une lettre. Une lettre de quoi? Ah, une lettre d'amour? Oh, bah dis donc. Alors, mon cher Lucien Vachalet, te reverrai-je un jour, je ne t'oublie pas, ta violette adorée. Envoyé par... Alors, Sadouille Crédit Société de Prêt. Pardon? Ah, c'est... Oui? Sadouille Crédit. Mais oui, je me souviens de Sadouille Crédit. C'était dans... Trials and Tribulations. C'était un ami... Phoenix Wright, je pense. Cette lettre d'amour est très... étrange. Enfin bon. Ah oui, alors ça rame parce que le décor... Le décor du Far West est très très rempli. Ah mince, ah les fleurs ne sont pas avec toi. Non, c'est vrai, Noé Misérable. Gros jeu de mots. Merci la traduction. Merci la traduction française. Petit ami, c'est très très vite dit, hein. Non, oh, un couple d'amants. Moi, elle précise quand même le mot amant. Ça veut dire quoi? Pas n'importe lequel. Oui. Alors, tu as tes envies personnelles, mais tu ne les fais pas. Tu ne les montres pas, s'il te plaît. Une bague en sucette. Quoi? Mais c'est... Oh zut, vous êtes un peu frère et sœur. Donc, c'est ta connotation assez incestueuse. Hein, oui, sur Pégase, arrête de chier ta veille.
Pégase. Ah, l'avion. Ne me rappelez pas les avions, s'il vous plaît. Ah, zut. Ouais, c'est... Héraclès, Hercule, je ne sais plus, non? Waouh. Au bout de 10 ans... Waouh, c'est au moins, elle vit. Elle a compris le principe. Elle ne lâche rien, et ça, c'est beau. Alors, le kidnapping, oui. Le meurtre, non. Ah. Oui, bien sûr. Ah bon? Tu es très suspect. Nous allons essayer de savoir ce qui s'est passé. Oh. Oui, nous devons savoir qui il est. La salle de crime, non, la salle de confinement. La planque de ravisseur, évidemment. Non, mais bien sûr. Oui. Allons demander à ce policier en bleu. Waouh. Détective. Bon. Ah oui, très bien. Tu es sûr? Mais il y a plus qu'un détective, c'est pas mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre lui et détective, mais c'est pas mal. Ah. C'est... Oh. Oh oh oh, salut toi. Alors, Loïc Abenet. 1,73, 60 kg, main dominante, droite. Oh, très important ça. C'est le collier. Ah. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cela? Je ne sais pas. Oui, ça se tient. Donc, le problème est réglé. Benoît était Loïc. On va les lire, mais dès que l'investigation commencera. J'ai pas bien compris. Comment ça, grande ouverte? Je sais pas, oui. Oui, ça se tient. D'accord. Carré. Super. Alors. Ah, c'était ici. Ouais, ça se tient. C'était pas ma faute. Bon, allez. Allons-y. C'est parti. Oh oui. Alors, la lettre. Alors, voyons. Dossier sur Loïc Cambaret. Introuvable depuis son évasion de la prison de pénitence. Pénitence. Merci beaucoup.
avaler un pistolet à un garde pendant sa fuite, en pensant qu'il allait se diriger vers le lieu où se trouvaient sa femme et sa fille, mais malgré notre surveillance, il ne s'est pas encore montré. Donc ça doit être d'époque. Alors. Des tonneaux, c'est cool. Plein de choses. Et ça, qu'est-ce que. Ça, c'est quoi ce petit truc? Tout petit. Oh, une épée. Une épée brisée. Mais... Ah, peut-être a-t-elle été utilisée pour forcer ou fracasser quelque chose. Oui, c'est bien, Hunter. Non. Non, moi je l'ai retenu. Des tonneaux. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un débarras. Une poubelle, très bien. Et là, c'était la porte. Oui. Tu m'énerves. Ah oui, c'était la... qu'est-ce qu'on a d'autre? Des gobelets, du café, des tasses, mais ils... Oh, mais c'est... Ils étaient, mais... Oh, qu'est-ce que c'est, une clé? Il manque des clés. Il manque des trucs. Alors là, par contre, j'ai du café. Il y a du café, des tasses, des trucs, des... Il y a trois chaises. Oui. C'est perturbant. Et exactement le même nombre de cafés servis. C'est très, très... Ces trois chaises et ces trois cafés doivent coïncider. Et puis c'est l'air d'être... Oh, qu'est-ce que c'est? Non. Non, ça c'est des chaises. Oui, il y en a trois. Là. Nous pouvons déjà faire une déduction. Il y a exactement trois gobelets et trois chaises pliantes. Peut-être y a-t-il une corrélation. Ils étaient au moins trois. Waouh. Incroyable. Alors. Ah, oui, mais a priori, pas vraiment. Ah, voilà qui est perturbant. C'est une pancarte et là il y a un miroir cassé. Oui, t'en as déjà trouvé au moins deux. C'est fou. Oui. Eh ben, qu'est-ce que... Oui. Faut que t'arrêtes avec le mot trappe. Hein. Sans doute. Ah oui, d'accord. Oh la vache, ouais. Putain, les mecs. Ah mais j'ai déjà eu ce texte, je veux... Faites-le passer vite, s'il vous plaît. Oui.
Des tonneaux. Des tonneaux! C'est cool! Oui, mais si c'est des vrais tonneaux, blablabla. Tu me l'as déjà dit aussi. La trappe qui est ici. Ouais. Et la porte complètement défoncée. Tiens, 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 tiens. Mais si... Et si l'épée factice brisée était mise dans la serrure? Cela expliquerait sans doute pourquoi la serrure n'a pas été fracassée. Eh oui! C'est fou! C'est incroyable! Eh oui! Oh, c'est beau! Bien! Nous en savons un peu plus sur ce qui se passe, mais c'est tout! Nom de Dieu! En luttant! Ah, très bien. Ah, elle va faire sa petite photo. Voilà. Voilà, elle est contente. Elle a son proto-lutin. Elle m'énerve. Oui, le safari photo. Oui, mais tu triches. C'est stupide. Ah, Pardon? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Non, le job! Comment? Mais c'est pas possible! Oui, on n'a pas dit lesquels. Viens là, on va parler parce que le jeu veut que je m'arrive, que j'arrive vers toi. Tiens, regarde, on peut même regarder ici, sur cette photo de costume volé. Il ne reste qu'un seul exemplaire. Non, retour. Voilà. Ça se tient. D'accord. Quel est-il? Waouh! Ah ouais! T'es fou! Je suis estomaqué! Non, sinon c'est compliqué, puis on va pas s'en sortir. Oui, exactement, regarde bien, attention, 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 ça va aller très très vite. T'es fou, c'est incroyable, ça va aller très très vite. Et oui, c'est très très logique ce que je viens de dire. Mais du coup,
Réfléchissons. Et si cet autre costume était dans la poubelle? Ce serait tellement fourbe. Mind blow. Oui. Tant, tant, tant. En fait, il était dans la poubelle. Vite. Et en fait, dedans. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que tout ça? Regardons un peu plus près. Il est extrêmement gros, mais surtout ce trou dans la main. Et c'est, il est vachement gros, dis donc. Peut-être est-il une déduction à faire. Voyons voir. Non, pas ça. Non, c'est pas ça. Attends, lutin voyou. On est d'accord, c'est le lutin voyou. Dans ce cas... Oui, et peut-être la tête du lutin voyou. Et en fait, non. Lol. Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir, s'il te plaît. Bon, réfléchissons. Réfléchissons, ok, je réfléchis. Je suis... Réfléchis. Je réflexionne. Voilà. Bizarre, il y a une petite main. Non, d'accord, ça compte pas. Donc, c'est ce trou. Ce trou... C'est en lien avec... Alors, pas ça, pas ça. Pas ça du tout, en fait. Non. Ça n'a rien à voir. Ah, voilà, peut-être ça. Lutin voyou, main droite, un pistolet, peut-être. Je ne sais pas. Voyons. Bas de l'abdomen droit et épaule droite. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Ça, c'est le costume de la victime. C'est pas ça non plus. Ah, on va avoir du mal. On va avoir beaucoup de mal. Ah là là. Laisse-moi réfléchir, s'il te plaît. Bon, réfléchissons. Il y a forcément un truc que j'ai pas vu. Il y a un truc que j'ai pas vu, il y a un truc que j'ai pas vu. C'est forcément un truc que j'ai pas vu. C'est même obligatoire. C'est un rapport avec cette main. C'est sûr. Ok, jusque là, ça va, je me suis pas trompé. Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Bah si, c'est l'arme. Mais c'était l'arme. Ah, je le savais. Je le savais et puis je l'ai pas fait. J'avais un doute. Il y a une arme. Évidemment. Saloperie. Ah là là, ça m'énerve! Et s'il y avait un trou? Ah bon? Est-ce que je vais te croire? Hein? Tu crois que je vais te croire? T'as cru que je vais te croire? Je suis énervé! Cela voudrait dire que... Quelqu'un...
se promène avec une vraie arme. Oh, les balles de blanc. Bien. Très très bien. Yes. Bon, ils m'ont pas tout rendu, ils m'ont rendu une moitié, c'est déjà pas mal. Bon, ben voilà. On va chercher le lutin voyou. Vite, sortons. Tout va bien. Alors, je sais pas combien de temps il s'est passé, mais ça doit être important pour qu'il me mette ça. Ah bah tiens. Salut, sec à merde. Que se passe-t-il? Ah! Génial! Sans doute! Vite! Allez! Waouh! Putain, des hommes. Allez! Ah, c'est tout? Waouh! De l'émotion, du drama, choc, violent! C'est tout ce qu'on aime. Petit épisode finalement. Hein. Une petite demi-heure. Je crois que ça, je pense que ça sera la plus courte durée qu'il y aura dans cette affaire. Parce que. On a eu le temps de faire. D'apprendre un peu plus. On a eu le temps, en gros, d'apprendre un peu plus sur. Et Misérable. Voilà. On sait à peu près combien ils étaient. Ce qui se passe. Comment ça se déroule. Qu'il y a. Un lutin qui se promène avec une vraie arme dans un parc. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Mais nous devons nous grouiller car un costume a été retrouvé. Et ça, c'est important. Drama sur ce costume. Qui est-il? Qui est-il? Et pourquoi? Nous le saurons la prochaine fois dans la suite de Miles Edgeworth. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout en espérant qu'elle vous ait plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire sur la vidéo et sur les autres vidéos. Si le contenu de la chaîne vous plaît, je vous invite à vous abonner à la dite chaîne. Il y a une vidéo qui sortira à peu près toutes les semaines, une à deux vidéos toutes les semaines au moins. Et de me suivre sur Twitter où je suis le plus présent, où j'annonce plein de choses. Merci à tous. Bon jeu et à la prochaine pour la suite de Miles Edgeworth Ace Attorney Investigation.